Salut, salut, on est le 27 juillet, il est 7h56 du matin et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. J'ai décidé de vous montrer ma toute nouvelle routine du dimanche et surtout ça va me motiver à avoir une journée productive. Voilà, alors vous aurez vu à ma tenue sur les images d'avant, je vais à la salle de sport tous les dimanches matin dès que je me lève, donc c'est ce que je vais faire. Et globalement le programme c'est donc aller à la salle, et après je veux faire absolument beaucoup de rangement chez moi, j'ai déjà bien commencé hier. J'ai fait surtout toute ma zone bureau et une partie de ma zone bibliothèque, mais j'ai encore toute la zone d'entrée, j'ai la cuisine, le salon à bien nettoyer, la salle de bain aussi, donc j'ai pas mal de boulot là-dessus. En fait j'ai envie que ce soit un dimanche pour me reset complet et me cleaner le cerveau, enfin je veux absolument que tout soit organisé et tout pour que dans ma tête ce soit organisé aussi, voilà. En fait le truc c'est que la semaine j'ai beaucoup de mal à prendre l'habitude de bien toujours nettoyer, ranger et tout, donc j'essaye de faire ça le week-end quand même pour repartir sur de bonnes bases pour le lundi. Donc voilà, on va commencer de suite par aller à la salle de sport, ça va faire du bien. Là c'est une séance bas du corps en sachant que j'ai encore des courbatures. Du coup ça va être sympa, mais ça fait trop du bien en fait de commencer la journée par une bonne séance de sport. Et puis il est fort possible que après ma séance de sport je passe devant une boulangerie et que je m'achète un petit déjeuner. Et du coup je mange pas forcément avant d'aller à la salle de sport, là c'est vrai que j'ai bien mangé hier soir je trouve, et surtout à cette heure là je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Du coup c'est parti, je mets mes chaussures et j'y vais. Normalement il y a fortement moyen que j'aille faire un petit tour, parce que du coup aujourd'hui aussi pourquoi je vous filme ce dimanche-ci, c'est qu'il y a un vide-grenier genre juste devant chez moi. En gros mon appartement il est en rez-de-chaussée, il donne sur la rue, et vraiment là je vois les gens passer. Il a pas encore tout à fait commencé le vide-grenier, mais il commence à y avoir quand même quelques petits stands, donc voilà. Bref, c'est parti. Voilà, il est 10h52, j'ai fait une bonne heure de séance, enfin une séance d'une bonne heure, c'est mieux les mots dans le bon ordre. Du coup je suis passée à la boulangerie, j'ai craqué, je me suis acheté du coup croissant et une petite baguette sésame parce que je l'aime trop. Je vais pas souvent à la boulangerie, mais c'est vrai que de temps en temps le dimanche c'est mon petit plaisir. Je pense que je vais aller à la douche et après je vais certainement faire un petit tour dans le vide-grenier. Il y a des gens vraiment à ma fenêtre, très perturbant de parler avec quelqu'un qui est juste derrière. Je sais qu'il ne me voit pas avec mes rideaux, mais bon, ça reste toujours perturbant. Mais du coup, ouais, faut que je regarde, je sais pas du tout comment m'habiller et tout. Ça, c'est un problème de tous les jours. Il va faire combien? 22 degrés, mais là il fait 17. Je ne sais pas comment m'habiller, je vais voir ça. Et je vous retrouve après m'être préparée. Voilà. Mais c'est trop chouette en vrai de se lever à cette heure-là le matin. Parce que du coup, là, j'ai l'impression d'avoir déjà fait les trois quarts de ma journée alors qu'il est que 11h et c'est génial. Je suis pas sûre du cadrage, mais j'ai pas 15 000 options pour vous montrer toute ma tenue. Du coup voilà, j'ai juste un petit débardeur comme ça de chez Pinky. La chemise vient de chez H&M, c'est juste une chemise blanche coton basique. Le jean c'est un jean Boohoo que j'ai acheté sur Vinted, c'est un de mes derniers achats. Les chaussures c'est des Pumas et mon petit tote bag cousu main. Voilà. Et pour le petit maquillage, alors je suis à contre-jour, c'est pas très stratégique ça Amandine.
Et pour le maquillage que je vous montre vite fait, c'est juste les produits de ma rotation make-up que je vous mettrai dans le petit i. Et le rouge à lèvres, c'est tout simplement un Fenty Icon et je crois que la teinte c'est ZM VIP. Voilà, c'est un rouge à lèvres rouge de chez Fenty en raisin que j'aime beaucoup. Voilà, et les bijoux c'est Ikita. Les boucles d'oreilles c'est toujours du Ikita Paris. Je vous conseille à 1000%, j'aime trop leurs boucles d'oreilles et celle-là je les mets énormément. Voilà, sur ce, je pars faire le vide-grenier parce que il est 11h55. Voilà, j'ai pris vachement de temps pour me préparer. Voilà, je suis officiellement de retour chez moi. J'ai fait mon setup quelque peu habituel. Si j'arrive à récupérer mon sac, je vais vous montrer. Parce que j'ai dépensé 30 euros en tout. Oui, c'est ça. Je trouve que j'ai fait des plutôt bonnes affaires. Alors, tout d'abord, toujours dans ma recherche d'avoir des basiques dans mon placard. Et là, j'ai une chemise blanche. Et je me suis acheté une chemise noire. C'est une chemise... d'homme. C'est la marque Pierre Clarence et c'est du 44. Je vais être à l'aise dedans. Mais je cherchais vraiment, j'aime bien en fait mettre les chemises comme j'ai fait aujourd'hui, vous voyez, en petite veste ou... Enfin, je trouve que c'est très très mignon et je n'avais pas de chemise noire et quand je l'ai vue, je me suis dit, ça peut être sympa. Elle m'a coûté 2 euros et le monsieur m'a dit que c'était une très bonne marque et effectivement ça a l'air d'être du bon coton. D'accord, c'est une marque française depuis 1947. Et du coup voilà, en plus elle est toute bien repassée, alors moi elle sera jamais aussi bien repassée, mais voilà, je me suis trouvé une petite chemise noire à 2 euros, je suis ravie. Et ensuite, c'est des CD et un vinyle. Voilà. C'est souvent ce que j'achète, surtout sur les vide-greniers et tout. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Et donc, le tout m'a coûté 28 euros. J'ai tout d'abord trouvé un vinyle de John Lennon. Alors, le monsieur m'a dit que c'était pas une réédition, que c'était... Ouais, c'est ça. C'est vraiment une... C'est la première édition du CD, c'est pas... C'est pas une réédition de l'enregistrement, c'est trop bien. John Lennon, j'aime trop, donc je suis refaite. Il y a Stand By Me dedans. C'est le seul vinyle que j'ai trouvé. Après, il y en avait d'autres, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et ensuite, je n'ai acheté que des CD. Alors, pour continuer dans le thème, j'ai acheté un double CD des Beatles. C'est un CD de live avec 75 musiques en tout dessus. Je ne pouvais pas passer à côté. Je suis... trop contente. Ensuite, alors ça c'est la nostalgie des vacances avec mes parents et mon frère. Quand on descendait dans le sud ou même dès qu'on partait en vacances, c'était en gros, mon père il avait 2-3 CD, surtout 2 CD qu'il mettait tout le temps. Bernard Lavillier, Carnet de bord et un CD de musique haïtienne. Donc autant vous dire que Bernard Lavillier, j'en ai bouffé pendant toute mon enfance, j'en pouvais plus à un moment donné, mais maintenant il y a Messagerie Maritime que j'écoute tout le temps et je suis trop contente, comme ça je vais pas avoir à voler le CD de mon père, il va pouvoir avoir son CD et moi j'aurai le mien. Mais c'est vrai que c'est le genre de musique un peu chill que j'aime beaucoup écouter. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai trouvé Téléphone Paris 81. Très contente. C'est pas forcément le CD de Téléphone que je cherchais, mais il y a la bombe humaine dedans. Je suis contente parce que je vais découvrir, je pense, quand même, ou redécouvrir certaines musiques que là, de nom, ça me dit rien, mais peut-être que je les connais certainement. Mais voilà, très contente. Rien que pour Bombe Humaine, il fallait que je le prenne. De toute façon, moi, quand il y a des CD si peu chers, généralement, je réfléchis pas trop. Ensuite, je me suis trouvé un CD de James Blunt, c'est le Some Kind of Trouble. Pareil, c'est des chansons que je connais pas tant que ça. Mais comme Bernard Lavillier... Non, il y avait James Blunt aussi. Mais ça, c'est plus ma mère qui l'écoutait. Après, il y avait eu la période Adèle aussi. Mes parents ont eu des périodes comme ça où dans la voiture, c'était toujours le même CD. James Blunt, c'était pas celui-là de CD qu'on avait dans la voiture. Mais je sais que j'adore la voix de James Blunt. Enfin, vraiment, ce gars a une voix incroyable. J'aime beaucoup ses musiques, donc je me suis dit que bon, ça valait le coup et encore une fois, ça va peut-être me faire découvrir d'autres musiques. Voilà. Toujours dans la même veine de découvrir d'autres musiques, je sais que j'aime beaucoup Arctic Monkeys et j'ai jamais trop écouté un album en entier. Et j'ai du coup trouvé celui-là. Alors je ne sais pas le nom du... Whatever people say I am, that's what I'm not. J'ai eu la flemme de le dire avec l'accent. Mais voilà, pour finir, je me suis acheté le CD de la bande-son de Footloose. Niveau CD de bande-son, j'ai déjà Fame et j'ai A Star Is Born. Voilà. J'ai jamais regardé le film de A Star Is Born, mais quand j'étais allée en ressourcerie à Nantes, j'avais vu le CD et je l'avais acheté. Mais voilà, très contente. J'aime beaucoup mes petits achats. Voilà, je pense qu'il y a moyen que je me mette un des petits CD tout à l'heure quand je vais faire mon ménage. Mais là,
on va manger. Donc voilà pour ce qui est du repas, là c'est en train de réchauffer donc je vous le montre maintenant. C'est tout simplement un blanc de poulet cuit avec du romarin, avec des petites patates et des haricots. Voilà. Du coup, pendant que ça réchauffe, je vais commencer mon montage. Désolée, j'étais en train de faire un truc sur mon ordi en même temps. Parce que du coup, là, l'idée, c'est que je suis sur mon ordi pour bosser et préparer ma semaine sur Notion. J'y suis jusque... c'est à quelle heure le match? C'est à 17h45. Voilà, il y a un match de rugby de l'équipe de France à 17h45. Il est hors de question que je le loupe. Donc voilà, je pense que... ouais... Là, 13h30, ça me fait 3h, ouais. Alors, c'est pas 100% productif, c'est un reset pour... En fait, ce que j'aime bien dans ce genre de journée-là, c'est que oui, c'est productif, oui, j'organise ma journée, mes journées qui arrivent, ma semaine qui arrive, j'organise même les mois qui arrivent. J'aime beaucoup organiser tout ça. Moi, ça me permet d'être claire dans ma tête, mais le but aussi de mes dimanches, c'est toujours... de faire ce qui me plaît, de me forcer à absolument rien. En fait, c'est pour moi être bien. Du coup, c'est dimanche productivité, mais bien-être avant tout. Voilà. Il est 17h05, je viens de finir le montage de ma vidéo. Elle est en train de s'exporter et au final je pense que j'en ai marre d'être sur l'ordinateur là. J'étais tellement concentrée, en plus je me suis pris le soleil dans la tronche. Alors c'est agréable mais moi ça me donne mal à la tête. Du coup je pense que d'ici donc le match de 17h45, je vais plutôt me mettre un CD, je sais pas encore trop lequel, et je vais continuer le rangement de mon appart, ça va me faire du bien. Je ne sais pas quel CD mettre. Voilà. C'est y a trop d'options. Je crois que j'ai envie d'écouter le James Blunt. Je suis bien dans un petit mood de James Blunt là. Donc voilà, je vous retrouve après. Je pense que je vais vous mettre des petites images quand même de mon rangement. Ça me vide l'esprit de ranger. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est juste que j'ai tendance à être très flemmarde. Surtout là-dessus. Enfin, je suis pas flemmarde surtout, mais alors sur le rangement, c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'en plus là, comme je suis dans un espace assez restreint, il faut quand même trouver des petites astuces pour ranger. Être très organisée et je suis pas organisée. Très clairement, si vous le demandez à mes proches, ils vous diront tous que je suis bordélique. Ce qui est véridique. Donc bref, je vais me mettre James Blunt et je vais ranger... au final je me suis pas encore du tout posée dans mon canap, j'ai continué à nettoyer pendant que je regardais la première mi-temps, là c'est la pub de mi-temps. J'ai nettoyé beaucoup de choses. Ça fait du bien, c'est un peu plus propre. Alors globalement là tous mes rangements de bibliothèque là, si ça veut bien faire le point, ça ne veut pas, d'accord. Tout ça là, j'ai tout nettoyé, même tout l'intérieur des cases et tout, j'ai nettoyé tout le dessus, tous les côtés, tout est nickel. J'ai du coup nettoyé ma partie là-bas télé. J'ai commencé à nettoyer, bon vous ferez pas attention, il me manque un rangement là qu'il faut que mon père fasse. Mais du coup j'ai nettoyé toute la partie là de ma cuisine, il faut que je fasse encore au niveau de l'évier. Et il faut que je fasse aussi au niveau du cadre du lit et la table basse là, la table de chevet pardon. Je viens de passer un petit coup d'aspi, j'attends de finir le nettoyage dans ma salle de bain pour passer la toile parce que sinon ça sert à rien. Mais je pense que je vais passer la toile ce soir, j'étais pas sûre.
mais je pense que ça peut pas faire de mal. Du coup, vous aurez vu aussi dans les images que j'ai nettoyé l'entrée. Bon, vous ferez pas attention, mon trépied est là, mais je vais le ranger juste après. C'est juste que du coup, je l'utilise pour faire ma vidéo. Et du coup, ma salle de bain, le gros truc à nettoyer. Attention. Il faut surtout que je range tout mon bordel qui est là en fait. Mon tankerville est constamment sorti et ça commence à me saouler. Donc il faut que je fasse ça, il faut que je nettoie ma douche si je peux et l'évier. Et voilà. Mais là, je vais me poser pour la deuxième mi-temps et je reprendrai après parce que je fatigue. Je sais même pas quelle heure il est, mais c'est bon, j'ai fini. J'ai nettoyé ma salle de bain au passage, alors juste pas la douche parce que ça va me prendre un temps monstrueux parce qu'il faut que je fasse tous les joints. Donc pour ça, il faut que je mette le produit anti-moisissure que j'ai, mais du coup, je ferai ça au pire le week-end prochain. Mais voilà, je suis contente, je suis plutôt efficace. Par contre, il y a une partie de la cuisine que j'ai pas fait. Mais de toute façon, il me reste encore un peu de vaisselle à faire, plus il faut que je fasse à manger pour demain, donc voilà. Il est 20h40, j'ai pas faim parce que du coup... comme le match a fini à genre 19h30, j'ai grignoté devant, donc voilà. Enfin, j'ai grignoté, j'ai mangé genre un peu de fromage et des petites tomates cerises. Et j'ai plus faim. Donc je pense que j'ai mangé pour ce soir et voilà. Donc je vais aller me démaquiller et je pense que ça va être petite soirée tranquille. Je pense que je vais bouquiner surtout. Du coup, je suis de retour dans ma salle de bain. Je vais juste vous montrer très rapidement ce que je vais utiliser comme produit pour nettoyer ma peau, démaquiller tout ça. Et après pour... les différents gommages et masques, je vous montre ça tout de suite. Du coup, ça c'est mon lait démaquillant de chez Avril, je vous en ai souvent parlé. Il est vraiment bien, j'en ai vraiment plus beaucoup comme vous pouvez le voir. Je sais plus si c'est celui-là que j'ai en stock ou pas, mais je sais que j'ai du lait démaquillant en stock. Mais voilà mon lait démaquillant du jour. Pour ce qui est du nettoyant visage, ça va être ce nettoyant charbon de Biotanic. Je l'avais acheté chez Saga. Ensuite, niveau gommage, ça va être ce gommage sébo végétal, gommage purifiant de chez Yves Rocher. C'est mon tout dernier produit Yves Rocher. Après, je n'aurai plus de produits de cette marque-là en skincare. Que c'est une très bonne marque. J'adore leurs produits. Ils ne sont pas cruelty free. Donc voilà. Ensuite, je fais ce masque à l'argile anti-imperfection de chez Biface que j'ai acheté chez Action. C'est un énorme tube de 150 ml. Il est vraiment, vraiment bien. Je trouve qu'il marche très bien. Ensuite, je vais faire ce sheet mask de chez The Beauty Depth, donc une marque qu'on peut trouver chez Action. C'est donc un masque à l'arbre à thé, parce que je trouve que j'ai vraiment une peau à tendance grasse là depuis pas mal de jours, donc je vais essayer de bien purifier ma peau. L'arbre à thé, c'est vrai que ça m'aide bien là-dessus. En fait, j'ai eu beaucoup de boutons ces derniers, depuis la fin de mes vacances en fait. Et même pendant mes vacances, j'avais pas mal de boutons, donc si ça peut m'aider, voilà. Et je vais évidemment finir par ce masque hydratant en gelée de chez The Beauty Depth également, que j'adore. C'est donc un masque à l'ananas et à l'eau de coco. Voilà. Et vraiment, il est génial. Si jamais vous le croisez, n'hésitez surtout pas, je l'adore. Et j'ai décidé de tenter ça. Voilà, c'est du coup de chez Sense un masque exfoliant pour les pieds. Voilà. On verra ce que ça donne. Écoutez, je fais rarement des masques pour les pieds, donc tentons. Et je voulais rapidement vous montrer mon baume à lèvres du moment. C'est un baume à lèvres de chez Polar, si le focus veut bien se faire. C'est donc un baume à lèvres de chez, Polar, je n'arrive plus à articuler, que j'aime beaucoup. Je l'avais eu dans un coffret qui était à moins 70% là pendant les soldes, et vraiment je l'adore.
J'ai enfin fini le tome 4 de Bridgerton. Je les aime trop. Mais là, il est tard, donc je vais mettre mon réveil pour demain. Et je vais faire dodo. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était chouette de revlogger. Et voilà, j'en referai d'autres si jamais ça vous a plu. Mais je suis contente, j'ai été vraiment bien productive. Mon appartement, il est propre. Il y a beaucoup moins de poussière. Et ça, c'est très agréable. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très 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 plaisir. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.